Prince Harry, et si Archie et Lilibet pouvaient apaiser les tensions avec la famille royale? Depuis de nombreuses années, les relations entre les Sussex et la famille royale sont distendues. Afin de pallier cette situation, Archie et Lilibet pourraient être la clé. Depuis le Mexit, en 2020, les relations entre la famille royale britannique et le duc et la duchesse de Sussex sont distendues. Nonobstant ces tensions, le prince Harry a confirmé sa présence au couronnement de Charles III, le 6 mai prochain. Il se rendra seul à la cérémonie, laissant Archie et Lilibet en Californie. Pourtant, ces deux bambins pourraient être la clé d'un rapprochement entre les Windsor et les Sussex. Dans un entretien accordé à l'express.co.uk, ce mercredi 19 avril, le biographe royal Andrew Loney a affirmé que les enfants pourraient faire partie d'un rapprochement. L'auteur du livre Traitor King, The Scandalous Exile of the Duke and Duchess of Windsor a précisé que la porte leur est ouverte et qu'un jour cela pourrait arriver. Archie et Lilibet ne sont pas retournés sur le sol britannique depuis le jubilé de platine d'Elizabeth II, le 2 juin dernier. Une certaine déception. Leur absence au couronnement de leur grand-père serait un crève-cœur pour ce dernier. Une source proche du palais de Buckingham assurait au Sun, le 12 avril dernier, que le monarque ressentirait une certaine déception, le 6 mai prochain. Toutefois, l'initié faisait savoir que malgré sa tristesse, le roi comprend la situation. En effet, la date du couronnement coïncide avec l'anniversaire d'Archie qui fêtera ses 4 ans. Seulement, ce motif ne serait pas la seule raison. Pour Ingrid Seward, rédactrice en chef du magazine Majesty, Meghan Markle ne souhaiterait pas être une nouvelle fois humiliée par la famille royale. La disgrâce d'être exclue de la file d'attente du balcon de Buckingham Palace était plus qu'elle ne pouvait supporter, assurait cette spécialiste de la monarchie britannique.